Salut à tous les gars, avant que la vidéo et l'épisode commence vraiment, vous avez vu là, c'est sérieux. Je vous présente maintenant l'un des nouveaux sponsors du Vince KFC, Unibet, qui va nous rejoindre, qui sera sur le ventre du maillot, qui sera bientôt présenté. On est hyper content, merci beaucoup à eux de nous faire confiance, parce que voilà, le club vit aussi grâce au sponsor, donc un grand merci à Unibet. Ce qui est super, c'est qu'ils ont un programme qui exactement est connecté à ce qu'on fait avec le Vince KFC. En gros, ça s'appelle Au cœur du football. Ils équipent 300 clubs dans toute la France, ça représente 10 000 licenciés, c'est énorme, c'est énormissime. L'idée, c'est de postuler, et si vous êtes choisi, vous pouvez être équipé totalement avec maillot, short, chaussettes. On va aller se déplacer dans certains clubs qui font partie du programme Au cœur du football, et on va aller les affronter. Ça va de D5, ça va à N3. C'est plus compliqué pour nous. Il y a des awards, en gros des récompenses pour par exemple la plus belle photo, pour présenter le maillot avec le Vince KFC et des gars du club. On va venir se déplacer dans les clubs pour remettre des récompenses. Bonjour messieurs, on est à l'entraînement là et ça a été beaucoup demandé aux commentaires, on a lu les petits commentaires. On va vous présenter les jeunes un par un, on va vous dire qui est qui. Je vais en choisir un au hasard. Attends, là ils sont en train de faire un exercice parce que là on leur apprend à faire des passes les petits nouveaux hein, parce qu'ils sont pas encore chauds. Là il y en a deux. Djibril, viens là s'il te plaît, viens, viens vite. Donc là je vais vous présenter Djibril, vous les avez entendus, mais je vais le laisser faire sa présentation. Donc moi je m'appelle Djibril, j'ai 20 ans, je viens de Mantes-la-Jolie. Je suis un petit terroir. Mes ambitions, faire le maximum de passes des. Et la montée hein, en D3, c'est important. Shams, il va parler normalement un tout petit peu plus bas. Et pour certains, ils ont vu les lives et tout. Normalement, vous le connaissez un petit peu. Shams, enchanté, oui. Rahim. Enchanté, Rahim. Voilà, exactement. Il va falloir que vous fassiez encore une fois votre présentation. Parce que vous l'avez déjà fait en live lundi. Ouais. Nom, prénom, âge, d'où vous venez, groupe sanguin, et ainsi de suite. Et bien sûr, vos ambitions dans la vie et sur le terrain. A okay. Tout de suite. On va finir par connaître cette présentation par cœur. Je m'appelle Shams, j'ai 19 ans. Je suis milieu de terrain. Je suis étudiant. Groupe 5 ans, c'est pas obligé, j'imagine. Donc ça marche, bah, je crois que c'est bon. Et je suis gaucher. Et tes ambitions pour la saison? Qu'on monte, bien évidemment. Et point de vue personnel, prendre physiquement. Voilà. Je vais essayer de voir s'il y a un jeune qui va juste dire comme ambition jouer. Tu vois, parce qu'ils pensent déjà, ils vont jouer, ils vont faire des passes D, j'ai entendu ça. Et moi, ça me va pas trop. Tiens, va t'entraîner. J'ai jamais dit ça, j'ai pas dit ça. Là, je vais côté, on va. Oh, il coûte l'entraînement là. En train de perdre. Arthur. Enchanté. T'es déjà en train de te plaindre? Non, mais okay. pas. Là, tu vois, il y a des gens derrière la caméra, okay. Tu t'en rends pas compte. Bonjour les gens. Voilà, il faut que tu te présentes. En gros, on veut voir si t'es à l'aise. Les gens, ils veulent voir si ça marche. T'es vif. A tout de suite encore. Bah, moi, je m'appelle Arthur, voilà. J'ai rejoint le club cette année, j'ai 20 ans. Et avant, ça fait 2 ans que j'ai arrêté le foot. Et puis, bah, maintenant, là, il y a un beau projet, etc. Du coup, avec mes potes, on a rejoint le club. Et on espère faire de belles choses cette année. J'espère qu'on va monter, c'est l'objectif de toute façon. On n'a pas le droit à autre chose. Donc on va aller abattre l'ennemi cette année, hein, c'est tout. Hein. À la base, j'ai été ailé droit ou gauche, attaquant droit ou gauche. Mais on m'a bien aimé en 10, du coup peut-être cette année je vais évoluer en 10. On verra au fur et à mesure de l'année. On m'a dit que tu voulais prendre la place de Rahim, après je... Non, c'est coéquipier, moi je suis pas dans la compète avec les coéquipiers. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il pourra pas, tu peux y aller. Allez, va-t'en. Entre gauchers, on se comprend. Allez, va-t'en. Bon, là, on va vous présenter la mouette. Je sais pas comment il va se présenter, mais comme d'hab. Bonjour Emir, enchanté. Bonjour Rahim. Ceci est une caméra, il y a des gens derrière et ils vous connaissent pas et ils aimeraient vous connaître. Je m'appelle Emir. J'ai 23 ans. Emir alias la mouette dans le club. Je pense qu'on vous a déjà expliqué pourquoi. Je suis latéral, pied dominant, c'est le droit. Pourquoi j'ai intégré le Vince Sky parce que j'ai apprécié le projet. L'ambiance du groupe, par exemple, elle est lourde. On s'entend tous bien. Mes objectifs, c'est de participer à la montée du club, d'apporter ce que je sais faire sur le terrain pour aider les coéquipiers à aller plus loin. La vidéo elle dure 4 minutes. Hein. Allez, c'est bon, on a compris, il est super fort. Enchanté. On a dit on va présenter les petits jeunes, du coup on t'a appelé. Ouais, direct. Ah, le plus jeune des nouveaux. Pourquoi tu lui donnes des coupées? T'as pas l'impression au travail là? Ouais, je suis en live là. Alors Fetchi, 31 ans, milieu de terrain. Une cheville en moins. Une cheville en moins, ouais. Puis voilà, les objectifs perso. Mettre des buts, mettre des passes D, surtout des passes D. Parce que je suis plus friand de passes D que de buts bizarrement. Et voilà. Encore un qui a pas dit juste jouer, tu vois, ils pensent tous qu'ils vont jouer faire des passes D. Donc là on a Elvis et je crois qu'il aime pas les caméras. T'es pas fan des caméras? Et tu sais t'es où là? T'es dans quel club? Ok, Elvis, les gens ils te connaissent pas derrière? Juste ouais. Petite présentation tranquille, t'es pas obligé de tout nous dire. Juste une petite chanson de 30 secondes et après. Je m'appelle Elvis Mendes, j'ai 21 ans. Et l'année dernière je suis à Magnanville. Ton poste? Mon poste, je suis latéral gauche. Ok, objectif de la saison? Ah, l'objectif c'est de monter et de progresser. Et ton objectif personnel? Perso,
de progresser encore. Non, ça va, tu vas bien. Monsieur Villan Nathan, ça va, tu vas bien. Exactement. Alias Gasolina. Exactement. Gasolina. Il y a des gens juste derrière cette caméra. Ouais. Il faut juste que tu te présentes à eux. Que je me présente. Exactement. Tu Vas-y. Viens d'où, tu veux faire quoi, Vas-y. Pourquoi tu es là dans le club, pourquoi, pourquoi tu kiffes tout ça. Okay, je te okay. laisse, c'est un bon. Vas-y, bah écoute, moi je m'appelle Nathan Villa, j'ai 19 ans, j'ai sur mes 20 ans. Et je suis venu au Vinsky parce que bah j'étais dans l'objectif de reprendre le foot parce que ça faisait longtemps que j'avais pas joué au foot. Du coup bah j'espère reprendre mon niveau, reprendre un bon rythme. Et puis j'aime bien l'ambiance de l'équipe. Ça a l'air familial, les gens ils rigolent tous ensemble, puis c'est une bonne caméra, tout ça. C'est-à-dire ça qui m'a attiré dans le club et puis voilà. Donc j'espère faire une bonne saison et voilà voilà. T'es mal à pair. Ha Adidas, merci Adidas, c'est important. Venez vous présenter. Bonjour. Ouais, si vous vous demandez combien il y a de nouveaux, il y en a beaucoup. Ok, il y en a beaucoup. Donc, tu te présentes, il y a des gens derrière cette caméra, ils veulent savoir qui t'es. Tu donnes ton nom, pourquoi t'es là, qu'est-ce que t'as envie de faire, le poste à qui tu veux péta, tu dis tout ce que t'as envie de dire. Bonjour, je me présente, je m'appelle Tahir. Je suis arrivé cette année grâce aux détections. Et l'objectif de tout le monde, je pense, c'est de monter division. Et mon poste, c'est je suis milieu, peut-être attaquant aussi. Et la personne que je veux souhaiter, bah je sais pas, hein. On verra bien au fil des entraînements. Bon Shams, ouais. Troisième match de préparation là. C'est ça. Comment tu le sens? Je me sens bien, il fait beau, il y a du soleil. Que demander de plus? Tu les as bien sentis les deux matchs qu'on a fait avant? Ouais, le premier plus que le deuxième. Ouais. Après je pense que c'était normal, on a joué contre une équipe qui était meilleure que nous sur le papier. Je trouve qu'on a bien tenu pour ce qu'on a fait. Et bah là on va essayer de conclure un peu cette phase amicale avec tous nos matchs. Et terminer en beauté. Ouais, Elvis aussi, tempérer, d'accord. Les montées, les projections vers l'avant, gère bien. Parce que Nathan, ton offensif, c'est un de nos joueurs qui fait constamment, qui prend constamment la profondeur. Si toi tu le fais aussi, on va avoir un gros décalage. Ouais. D'accord. Donc parlez-vous. Si vous voulez faire une fois sur deux, il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est une fois sur deux, lui, il a intérêt de jouer le rôle et venir te protéger défensivement. Parce que si on prend un contre et que lui n'est pas revenu, c'est toi que j'engueule. Ouais. D'accord. Tu vois le truc? C'est à vous de vous caler. Après, les matchs amicaux sont là aussi pour ça. Bah écoute, on s'est bien préparé tous. Hein. Tu vois, il fait chaud. Faudra faire avec, mais non, je sens bien. Les gars sont concentrés. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. On va jouer comme d'habitude. On va travailler tactiquement et se comprendre les uns les autres. Et ça va le faire. On prend les matchs les uns à la suite des autres. Et on va travailler, on va faire notre jeu. Et on va pas prendre cet info en compte. Hein. Moi j'ai juste un truc à vous dire les gars par rapport à la semaine dernière, je sais pas si vous êtes du même avis que moi, mais on arrive un peu trop en détente. On s'est dit match amical, ça va être tranquille, ils nous ont rentré dedans comme jamais. On n'a pas vu le jour pendant 20 minutes, alors ce que je vous demande s'il vous plaît, c'est de mettre de l'impact dès le début. On est chez nous, on leur montre qu'on est chez nous et c'est nous on dicte le ton pas eux. C'est tout ce que je vous demande les gars. Il a raison. Donc, je vous souhaite un bon match. Tout plaisir. Allez, aussi. On travaille ce qu'il a dit. Hein. Reviens maintenant. Comme ça.
personne n'a pu rentrer justement plus et tout. Hop. Zéro. Zéro pour le KFC. Carreur de jeu. Il y a Christ au deuxième poteau. Bien récupéré là. Qu'est-ce qui part en profondeur? Chris, sur la tête. Et attends, c'est le centre, il n'y avait personne. Pas de soutien. Oh, déjà chercher Chris. En retrait, il va tenter sa chance. Oui, il attend, il s'est capté. Sans souci, pareil. Bien joué, il y a vu Fetty, il y a vu Champ, Fetty qui peut avancer, on ressent plus, il y a des solutions, un peu partout, il choisit à gauche, est-ce que ça peut faire? Aïe, dommage, là qui arrive à un crochet mais il n'a pas pu faire le ballon. Aïe, Nero qui a pris une talonnade mais qui a remis à l'équipe adverse, attention. La frappe. Poto. Formol. Il va tenter de repartir. Il regarde le ballon. Il arrête de toucher le ballon. Pas du tout. Et sur la droite. Surprise, belle talonnade. Appelé. Qui a trop poussé son ballon. Oh bien joué ça. Oh bien joué. Skerman est sorti. Super parade. Super barré d'Herman. C'est sorti. Super. Il fait du bruit mais... Et on me casse le matos, incroyable. Je ne peux plus travailler dans ces telles conditions, même si Chris a peut-être marqué le troisième, il dribble le ball. Il tombe. Mais non. Parce que Vizca est venu. Je balle. C'est Ryan qui s'est tapé. Magnifique. 3-0. Non, on voulait juste dire les gars que n'hésitez pas à dire en entier ce que vous en pensez, ce qu'il y a eu et ce petit problème technique. On va préférer arrêter le live à la mi-temps. Donc là on va faire quelques instants. Mais si vous voulez vraiment. On fait beaucoup de fautes inutiles au cœur du jeu. Alors Emir, t'es là par intérim, donc je peux comprendre que voilà. T'as fait des bonnes récupérations, parfois t'es un peu trop méchant, mais vu que t'es sur le côté, d'habitude je peux pas t'en vouloir. Tu récupères la balle une fois sur deux, mais une fois sur deux, généralement il y a faute. Sois plus smart, sois plus intelligent, sois plus malin dans ta prise de décision. Ok ? C'est bien les gars en tout cas. Vous avez des choses à dire, il y a des choses à rajouter, les plus anciens là. C'est bien les gars. Non, c'est plutôt les nouveaux, si vous avez des choses qui vous gênent et tout. Ouais, on est bien. Allez, 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 allez
rentre dans l'axe. Bah, j'étais en train de faire le tweet là, de fin de match, mais du coup 6-1, ça fait plaisir. Bon, moi en tant que défenseur, j'aurais voulu la petite clean sheet, c'est dommage le but à la fin. Mais bon, ils ont eu pas mal d'actions, il y a eu des beaux arrêts d'Herman, etc., etc. Donc au final, ils méritaient de marquer au moins une fois. Franchement, c'est top. Bon, ça reste un match amical, sa préparation, mais c'est de très bon augure pour la suite. On va faire une meilleure préparation, en fait, on n'a pas perdu, on a fait 2 victoires, 1 nul. Voilà, tout est cool. Maintenant, semaine prochaine, ça va être la Coupe de France, donc voilà, ça va être un niveau plus élevé, ça va être la D1, ça va être à l'extérieur sûrement. Donc voilà, il va falloir tout donner. Mais en tout cas, on va faire mieux. On va dire, pour moi en tout cas en tant que président, la grande fierté, c'est que la saison passée, on a commencé très tard la préparation, les gens qui étaient en vacances, etc. Cette saison, on a pu commencer de manière plus sérieuse. Ça fait vraiment plaisir d'arriver. Au moins, on est prêt, on n'a pas de regrets pour le début de saison. On n'est pas en mode, on a repris juste une semaine avant le début du championnat. Donc voilà, c'est plus important. Bon, Rémi, petit débrief du match. Bah, c'était cool. On a beaucoup bossé tactiquement. Donc on avait une équipe de D3, donc on s'est un peu jaugé. Et non, je suis content des nouveaux, je suis content de tout le monde. Après, on a pris du plaisir, j'avoue, il faisait beau, j'ai pris du plaisir de ouf. Puis voilà, même personnellement, j'ai marqué, je me suis mis en confiance. Et je trouve que tout le monde a bien joué, donc c'est le plus important. Maintenant, le sérieux arrive, la Coupe de France arrive, ça va être un match compliqué. Là, on sait qu'on va pas être favori, mais je suis content de ce qu'on a préparé et je suis surtout, franchement, on a pris du plaisir de fou. Donc on se retrouve dimanche prochain.